Vegeta dans Dragon Ball Z, ils sont blonds, j'adore. Bon allez, on va s'entraîner maintenant. Bon, Alex, c'était pour toi hier. PJ, c'est pour toi aujourd'hui. Sale, sale. Fais du sale. Sale. Voilà. Et pour Alex. Et c'est là pour toi, PJ. C'est pour toi. Allez, sale. Yeah. On va faire tout sale comme ça, mais jamais. Oh merde! Oh putain, le gars s'est teint en blond quoi! Oh c'est dégueulasse! Babou! Va sur le compte d'Alex et PJ! Tiens, tu vas voir, c'est horrible! Je suis sûre que vous comprenez pas pourquoi j'ai fait cette introduction, mais vous inquiétez pas, au fil de la vidéo, vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a quelques semaines de ça, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez très bien savoir, être au courant que je suis allée à Lyon et que j'ai rencontré Bodytime, donc Alex et PJ. Je les ai rencontrés à Lyon, mais en fait je les connaissais, entre guillemets, déjà depuis un bon petit moment, puisqu'en fait on a commencé nos chaînes YouTube à peu près en même temps, donc très vite on a échangé sur YouTube, on s'est envoyé des petits MP et tout ça, et depuis en fait on a gardé contact. Et on a continué à échanger, à se donner un peu des conseils ça et là, ou bien simplement à prendre des nouvelles. Et même si on a chacun fait notre chemin, c'est vrai qu'on avait toujours, je pense, chacun de notre côté, envie un jour de se rencontrer. Et ça s'est fait. Et depuis ça, et même je dirais même depuis avant, depuis que j'ai testé le programme DS et que j'en ai fait une vidéo, il y a beaucoup beaucoup de gens qui me suivent, donc vous en faites peut-être partie vous qui me regardez, qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Et qui m'ont dit, Juliana, tu as changé, je ne te reconnais pas, voilà, tu as rencontré Bodytime, tu traînes avec eux, t'as vendu ton âme au diable, voilà, t'es partie dans un délire du bodybuilding, du culturisme, des protéines. Maintenant, je suis quelqu'un de vénal, que je suis en train de me diriger vers un mode de vie très businesswoman, à fond commercial et tout ça, parce que je côtoie Bodytime. J'ai pas attendu de rencontrer Alex et PJ pour me mettre à la musculation, comme j'ai pas attendu de les rencontrer pour prendre des compléments alimentaires, et j'ai pas attendu de voir qu'ils s'étaient teints en blond pour demander à mon mari de le faire. Ça c'est un projet depuis bien longtemps. Bon, le blond c'est une blague, je l'avoue. Donc oui, j'ai changé, effectivement que j'ai changé. Si on regarde au tout début de ma chaîne, sur mes anciennes vidéos, j'étais plus ronde, j'étais jolie, je trouve, avec du recul, que j'étais quelqu'un de jolie. Mais j'étais mal dans ma peau, j'étais très timide, je ne souriais pas, ni à la caméra, ni à ma vie en fait, puisque j'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas bien dans ma peau, j'avais énormément de complexes, et donc je souriais pas, j'étais pas quelqu'un d'entraînant, et on le voit dans mes anciennes vidéos, que voilà, j'ai pas de dynamisme et le peps que je peux avoir aujourd'hui. On va monter les genoux, ça fera 1, 2... Pour les débutants, si vous voulez vous en arrêter à là, vous faites ça et vous en faites 50. Donc ça fait 1, 2. Et j'espère que dans les années à venir, j'aurai encore plus d'énergie et de sourire. Au fil du temps, c'est normal de changer. C'est normal parce qu'on évolue avec ses rencontres, on évolue avec ses expériences. Donc c'est quelque chose de positif. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de dangereux ou de négatif d'évoluer, puisque évoluer, c'est grandir, c'est progresser, et en fait, c'est pas... On ne devient pas quelqu'un d'autre, on est juste nous-mêmes, mais une version améliorée. Et ça, c'est vraiment bien. Je reviens un petit peu à mon exemple dans mon introduction, cette petite mise en scène. C'était pour vous montrer qu'en fait, si vous changez, automatiquement les gens qui vous connaissaient avant, quand ils vont vous revoir, ils vont vous voir changer, leur perception qu'ils avaient de vous-même a changé, et c'est dérangeant quelque part. Donc soyez prêts à ça, soyez prêts au fait que si vous allez changer, vous allez être forcément critiqué. En bien comme en mal, hein. Parfois ce sont des critiques qui sont positives, mais vous allez être jugé, attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça, mais n'ayez pas peur de ça en fait. Il ne faut pas que vous vous arrêtiez de vivre et de progresser parce que vous avez peur du jugement des autres. Et ça, ça me fait penser à Laurent Ournac. Donc je fais pas du tout partie de son fan club, je ne suis pas Camping Paradis, donc j'étais pas du tout au courant qu'il avait suivi un régime et qu'il avait perdu autant de kilos, mais quand je l'ai revu dans Danse avec les Stars, franchement j'ai été vraiment surprise. Au début je l'ai pas reconnu, et quand ils ont dit son nom, je me suis dit, ah ouais, putain, il a vraiment vraiment changé, et c'est tout, je me suis rien dit de plus. Et ensuite j'ai entendu toutes les critiques qui lui sont remontées,
qui disait que voilà, il aurait pas dû perdre tout ce poids, il a changé, maintenant il est plus arrogant, alors qu'avant il était plus timide, il était plus gros nounours, il était plus attachant. Et ça m'a vraiment littéralement choquée parce que on peut pas se permettre de juger ses changements à lui, puisque c'est quelque chose qu'il a fait pour lui, et d'ailleurs c'est super courageux puisque c'est un personnage public et il a décidé de se fiche complètement du regard des autres et se dire voilà, moi je vais changer parce que je suis mieux comme ça. Il l'a fait pour lui, donc je trouve que c'est beau et j'espère que ça vous inspire vous aussi à continuer de changer en mieux pour vous, ne le faites pas pour les autres. Si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de quitter votre conjoint, si vous avez envie d'avoir des enfants, si vous avez envie de changer de pays, de métier, de tout, faites-le pour vous. Ne pensez pas à ce que les autres vont penser de votre changement. On s'en fiche. Ils vivent pas avec vous, ils sont pas vous. Là, le seul endroit où vous allez vivre toute votre vie, c'est dans votre corps. Donc faites-en ce que vous voulez. Si vous jugez que c'est bon pour vous, faites-le. On a tous des rêves, on a tous des projets, on a tous des ambitions et des envies de changement. Il y a des gens qui ont envie de grossir, il y a des gens qui ont envie de maigrir, il y a des gens qui ont envie de changer de métier, il y a des gens qui ont vraiment envie de recommencer tout à zéro. Et on se trouve toujours mille et une raisons tangibles. C'est vrai, ce sont des raisons réelles. Par exemple, je sais pas, moi j'ai pas le temps, il fait froid, il fait chaud, je suis fatiguée. Mais il y a une raison qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte et qui est très inconsciente, c'est le fait que très souvent en fait on a peur de changer. On a peur de changer parce que changer c'est l'inconnu en fait, et on a peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu et on a peur aussi de changer toute notre façon d'être, parce qu'on est conscient au bout d'un moment que pour changer les choses il faut que nous-mêmes on change, il faut qu'on change notre façon de vivre. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est difficile, parce que on sait pas ce que c'est, on sait pas ce qui nous attend, on sait que ça va prendre du temps, on sait que ça va être un parcours semé d'embûches, on sait qu'on va être jugé, et tout ça, ça fait peur. Ça fait peur, mais n'ayez pas peur. Je sais que c'est difficile, et moi-même j'ai été confrontée à ça, à cette peur du changement, et finalement, quand on a peur de changer, on stagne. Et je me suis rendu compte, en faisant un petit peu le chemin inverse, j'ai regardé mon parcours, et j'ai compris ce qui s'est décoincé. Pourquoi à un moment donné, eh ben, j'ai continué à faire la même chose mais j'ai maigri. Alors qu'avant, eh ben, je le faisais et mon poids ne bougeait pas. Et pourtant je peux vous dire que j'en ai fait des régimes, j'en ai fait des choses. Mais je bougeais pas. Je bougeais pas parce que j'avais pas le courage en fait d'aller jusqu'au bout de ce que je faisais et j'abandonnais. J'abandonnais pour recommencer. Je recommençais autre chose parce que je me disais que si ça n'avait pas réussi, c'est parce que ça c'était pas bien. Alors qu'en fait c'est juste que ça devenait difficile pour moi et que je voulais pas changer. J'avais peur, j'étais pas prête, et à un moment donné j'ai été prête et tout s'est décoincé. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous changiez. Si vous vous sentez bien dans votre vie, bien dans votre peau, que vous avez aucun problème et que vous êtes heureux, vous n'êtes pas obligé de changer, mais naturellement vous allez changer, que vous en soyez conscient ou non, que ce soit provoqué ou non, vous allez changer puisque vous allez grandir. Vous n'êtes pas le même à 18 ans qu'à 22 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ans ou à 50 ans. On mûrit, on grandit et on change. On pense souvent que les gens qui changent, qui se prennent en main, c'est parce qu'ils s'aiment pas et ils le font pour les autres. Quand quelqu'un se dit voilà, je vais maigrir, mais c'est parce que les gens disent qu'il est gros, donc il fait cet effort pour les autres. C'est vrai dans un premier temps, mais en fait il faut passer au-delà de ça et se dire à un moment donné que ces changements qu'on fait, c'est pas pour les autres, c'est pour soi-même. On fait des changements pour soi parce qu'on s'aime et qu'on veut être meilleur, qu'on veut progresser. On est dans une société qui nous pousse et qui nous demande en fait de nous accepter. Et ça c'est vrai, c'est super important de s'accepter. Mais il faut faire la différence entre l'acceptation et la résignation. Il faut apprendre à accepter ce qu'on est et apprendre à vouloir s'améliorer, progresser pour être encore plus heureux. Inspirez-vous des gens que vous admirez, inspirez-vous aussi bien de leur réussite pour essayer de les imiter, pour partir dans le même sens, et inspirez-vous aussi de leurs erreurs pour justement ne pas faire les mêmes. C'est super important ça. Et puis quand vous vous inspirez de quelqu'un, vous pouvez pas tout aimer chez cette personne. Donc moi j'en reviens à Beauty Time justement, je suis pas là pour me justifier sur ma relation avec eux, hein, puisque ça ne regarde que nous, mais pour vous dire que je les respecte énormément et je les apprécie beaucoup en tant que personne. Et même si
on n'a pas forcément la même façon de vivre. Donc si vous me suivez depuis un moment, que ce soit ma chaîne ou leur chaîne à eux d'ailleurs, vous l'aurez compris, on n'a pas du tout la même alimentation. Et alors, on peut très bien s'entendre avec des gens qui n'ont pas la même façon de vivre que nous, on peut s'inspirer de certaines choses et pas d'autres. Vous inspirez de quelqu'un et que vous prenez tout chez cette personne, que vous aimez tout, vous voulez faire tout faire pareil, ben en fait vous allez droit dans le mur. Puisque vous pouvez pas adapter à vous quelque chose qui va à quelqu'un d'autre, puisque cette personne, c'est pas vous en fait. Donc ça marchera pas de la même manière. Voilà, donc vraiment, inspirez-vous au maximum de plein de gens différents, inspirez-vous, et de derrière, tout le monde s'inspire de tout le monde, donc faut pas voir ça comme quelque chose de néfaste, de négatif ou de dangereux. C'est positif de s'inspirer les uns des autres quand c'est des choses qui sont bien, quand ce sont des émotions positives et des actions positives. Et quels que soient les changements que vous avez déjà opérés, que vous êtes en train d'opérer ou que vous comptez opérer plus tard, dites-vous bien qu'il y aura toujours des gens qui vont vous dire voilà, oh t'étais mieux quand tu faisais 40 kilos de plus parce que t'étais plus ronde, ça t'allait mieux, maintenant t'es trop maigre, ou alors oh non maintenant t'as trop de muscles, t'es beaucoup trop musclée maintenant, je préférais avant, oh t'as une drôle de façon de manger quand même, j'aime pas trop, on peut plus aller au McDo tous les jours avec toi. Voilà, vous serez confronté à ça à un moment donné ou à un autre, il faut en être conscient, mais il faut pas que ça vous empêche de faire ce que vous avez à faire et ce que vous pensez qui est bon pour vous. Si vous avez besoin de changer, vous avez envie de vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre corps, faites-le pour vous, croyez en vous, soyez patient, ça va prendre du temps, mais les changements vont arriver petit à petit si vous vous donnez les moyens de le faire et que vous avez vraiment envie de le faire. Et puis sachez qu'il ne faut pas non plus avoir honte de changer. Donc c'est pas parce que vous avez envie de changer que c'est quelque chose de honteux ou d'orgueilleux. C'est vous le faites parce que vous en avez envie, c'est tout. Enfin, voilà, concentrez-vous sur cet aspect positif du changement et dites-vous bien que c'est pour vous que vous le faites, pas pour les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter surtout, vraiment interagissez. Je veux avoir vos avis sur cette vidéo, sur l'évolution. Et puis n'hésitez pas non plus à aller sur la playlist motivation puisque j'ai déjà pas mal de vidéos qui y sont. Celle-ci en fera également partie. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez si vous en avez envie et mettez-moi un pouce bleu qui me fera très plaisir et qui me montrera que vous aimez, que je vous donne un petit peu de motivation. Je vous fais des très gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Parce qu'en fait, repartir à zéro, c'est pas reculer, c'est simplement prendre un nouveau départ. Donc n'ayez pas peur de recommencer les choses.